Et salut tout le monde, c'est Drake14, on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Obélix fait n'importe quoi, ça commence bien. Pour la suite d'Astérix Obélix XXL sur PlayStation 2, qui commence d'ailleurs très fort, avec évidemment un combat. Donc aujourd'hui on va réaliser l'étape 4, qui d'ailleurs est assez longue, hein, vous allez voir. On a pas mal de zones à explorer, et de combats également. Beaucoup. Pas forcément des gros combats, mais il y en aura pas mal. Ah, je peux pas résister par ta envie de faire ce combo à chaque combat. Au moins, ça permet d'aller très vite. Donc voilà, on peut maintenant utiliser la torche pour l'ennemi. Cependant, je vais pas le faire tout de suite. On va d'abord récupérer le bouclier qui se trouve là-haut. Bon, par contre, pas besoin de péter les caisses, hein, il y a juste des points de vie d'eau. Et voilà. Oui, voilà. Donc, on va casser ces caisses. Il y a des multiplicateurs de dés. On va récupérer les casques avec. Ici, il y a encore d'autres casques. Par contre, j'aurais peut-être pas le temps de tout récupérer. Ouais, voilà, j'en étais sûr. C'est pas très très grave. Donc, comme vous pouvez voir là-bas, il y a... Ah, j'ai loupé le casque. Il y a une petite tour que l'on peut déplacer. Et le but, en fait, ça va être de détruire la grille qui se trouve à gauche. Pour cela, il va falloir d'abord aller derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, voilà, comme je l'ai dit, la déplacer. Mais voilà, ça fait apparaître des pirates que l'on va éliminer tout de suite. De toute façon, je vais allumer la torche avant, parce que, comme vous avez peut-être pu le voir, il y avait un bûcher éteint. Oh putain, le connard, il a défoncé mon bouclier bonus, là. Je devrais leur dire à tes connards de pirates d'être un peu mieux. D'être un peu plus poli avec les Gaulois, les connards. Donc voilà, on va allumer la torche. Bon, là, il y en a encore deux qui nous attendent. On s'en fout. Voilà, on allume le bûcher. Toi, ta gueule. Toi, voilà, l'un après l'autre. Voilà, maintenant que c'est fait, on va aller, on va tirer cette tour. Jusqu'à ce qu'on puisse plus la tirer. Pas besoin de s'inquiéter des pirates, parce que comme des cons, ils retournent en arrière. Et puis, je vais pas perdre de temps à les éliminer, tout simplement. Donc cette tour va nous permettre tout simplement, va nous servir en fait de plateforme. Comme vous pouvez voir, la flèche indique qu'on peut monter à droite dans la montagne. Cette tour est faite pour ça justement, donc évidemment on allume notre torche avant d'y aller, parce que il va y avoir un autre bûcher à allumer. Donc en fait vous allez voir que la torche va nous servir en fait à activer un piège, ce qui permettra de détruire la grille pour Obélix. Voilà, donc on allume le bûcher, je vais maintenant aller péter toutes les caisses. Il n'y a pas grand chose, c'est pas très grave. Voilà, bon, par contre, on peut pas encore allumer le tonneau du moment que tous les romans sont là. Donc là, en l'occurrence, on a 4. Oula, je me suis fait toucher, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'éloigne celui que je veux attaquer, des autres. Pour éviter de perdre de la vie. Donc voilà, le tonneau en explosant active le piège. Donc la boule hérissée de pointe va piquer la grille. Oui, elle va piquer la grille, mais elle va surtout la faire exploser. C'est mieux. Donc maintenant, on peut utiliser le canon. On va ouvrir un passage dans le mur là-bas et ainsi accéder à la zone suivante. Voilà, donc là on entre carrément à l'intérieur du... Je dirais de la montagne, mais vous allez voir qu'en fait ça ressemble plus à un volcan. Vous allez voir tout... De toute façon, vous allez voir ça parce qu'il va y avoir pas mal de lave dans cet endroit. J'ai la gorge enrouée. Donc on arrive devant l'espion qui va nous parler d'un petit truc secret ici. J'ai réussi à obtenir une information capitale. Un légionnaire m'a confié qu'une couronne de laurier en or massif a été cachée près d'ici il y a moins de 3 jours. Il faut la trouver. Voilà, donc il y a un laurier dans ces zones à trouver. Bien sûr, je sais où il est. Mais bon, en attendant, il y a un combat. Donc je vais... Une nouvelle fois, essayer de remplir au max la jauge, histoire d'utiliser le fameux twister pour faire tout péter. Et je peux vous dire qu'en plus, un combat avec ces romains comme ça, sans combo, vous n'allez jamais y arriver.
Ah, je me fais encore toucher. Et voilà. Alors en plus avec tous les sentiments, ça fait apparaître pas mal de casques. Et voilà. Il y a plus de personne, c'est fini. Alors avant de continuer, là on peut voir qu'il y a un bouton. Alors là par contre c'est hyper dur, je vous dis, hein, de sauter sur les caisses comme ça, parce que étant donné qu'Astérix n'a pas... Enfin, si, il est une ombre, mais on la voit pas énormément. C'est très difficile du coup de savoir où est-ce qu'il va atterrir. Donc il y a une chance sur deux en fait de tomber dans la lave, malheureusement. Donc le deuxième bouton est là. Il y en a 4 en tout. Ah bah voilà, voilà, donc j'étais trop sur le côté, donc résultat, il a glissé et il est tombé quand même con dans la lave, voilà. Donc j'espère que j'aurai pas... Ouais, donc je recommence au début de la zone. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait un mur invisible ici. Mon dieu, comment c'est bien foutu. Bon, heureusement, j'ai pas besoin de refaire le combat. Bon bah ça va, j'ai pas grand chose à refaire. Alors par contre, est-ce qu'il faut que j'aille réappuyer sur le bouton? Apparemment non, la lumière est verte. Donc même si le bouton n'est pas enfoncé, on va dire que c'est bon. Le troisième, bon, lui, beaucoup plus facile, hein. Il suffit de sauter sur les caisses, hein, sans oublier de ne pas les péter avant. Car sinon, il devient inaccessible. Et là, on va se diriger vers notre deuxième combat de cette zone, voilà. Là, vous pouvez remarquer à gauche la dalle qui pourra être activée une fois que tous les boutons seront activés. Enfin, seront poussés, plutôt. Voilà, donc là, on commence avec des pirates. De toute façon, je vais comme d'habitude finir ce combat rapidement avec le booster, mais il faut savoir que après, dès que tous les pirates sont éliminés, il y a également des romains. Non, je trouve quand même bizarre l'idée qu'il y ait des pirates en Égypte. Hein. C'est les développeurs font ce qu'ils veulent. Oh, tous les casques qui apparaissent, c'est un véritable paradis. Voilà, donc on récupère tout ce qu'il y a. On utilise la manivelle, voilà, pour faire baisser le point de vie. Et avant de se faire les romains à gauche, voilà, on va... à droite, pardon. On va appuyer sur le bouton à gauche, donc le dernier. Donc maintenant, on peut aller sur la dalle. Dalle qui va nous permettre d'avoir le cinquième laurier qui sort du cratère du volcan, voilà. Enfin, du cratère. Oui, alors, je me souviens qu'en fait il y avait un non pas des lauriers mais des multiplicateurs, voilà. Bon, ça fait pas énormément de casque, mais c'est pas très grave. Vous allez morfler. On n'en fait qu'une bouchée, hein. Les pauvres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y en a deux. Et je crois qu'il y en a plus, donc on peut partir. On les tape, par contre, elle est loin d'être finie. Donc on va arriver dans une nouvelle zone de bataille. Avec des tortues romaines. Et on va pouvoir retrouver l'espion. Halte ! Plus loin, tu trouveras une porte infranchissable fermée à double tour. Je n'ouvrirai cette porte que quand tu auras complètement nettoyé la zone. Donc voilà, le but, tout détruire, tout simplement. Donc avant de s'occuper des tortues romaines qu'on va pouvoir détruire grâce à un canon, on va aller récupérer les caisses qui se trouvent là-bas. Avec un bouclier en plus qui nous attend, alors c'est pas magnifique. Oh là là, mon dieu! Ça permet de récupérer celui que les pirates m'ont bouffé tout à l'heure. Que fait Obélix? Normalement il devrait venir pour m'aider à bouger le canon. Espèce de grosse feignasse. Donc voilà, bah là il faut tout détruire. Bon, évidemment, c'est pas seulement les tortues romaines, hein, qu'il faudra éliminer, hein, c'est trop facile. Voilà, une fois qu'elles sont toutes détruites, 200 romains apparaissent. Bon, c'est pas autant que les 400 romains de la première étape, mais c'est beaucoup. Donc on connaît la technique, hein, je vais tout défoncer pour essayer d'activer le twister, bon, par contre là c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc déjà j'ai rempli une colonne. Ah là là, c'est dur. Hein.
mieux c'est s'attaquer aux rangs, même s'ils sont plus difficiles à vaincre. Parce qu'au moins ça permet de remplir un peu plus vite la jauge. Ah là j'ai eu de la chance. Ça m'a permis d'en éliminer un peu plus. Et bah c'est bon. Vous allez morfler maintenant. Parce que c'est moi qui vous tue. Mon dieu, regardez-les. Les pauvres en train de s'envoler dans les airs. Ah, il y en a quand même un qui a survécu. Ah oui. Ah ah, tu crois que t'as gagné, connard. Voilà, donc cette fois la zone est complètement nettoyée. Hein. Donc avant d'aller ouvrir la grille, on va récupérer les quelques petits casques qui traînent. Il y a également des caisses là-bas. Moi, ouais, je n'ai quasiment rien perdu en termes de vie. Le pire ici, c'est que vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Hein. Donc si vous n'avez pas le twister, bah... gare à vos fesses, hein. Parce que sinon, vous risquez de mourir. Eh bien... quel combat! J'ai bien cru que cela ne se terminerait jamais. En tout cas, bravo. Je vous ouvre. C'est de l'ironie, hein. Cela c'était quand même un véritable passage à tabac en très peu de temps. Donc voilà, donc là on arrive en plein cœur de la ville. Une ville égyptienne. On se demande où sont les habitants, hein, qui sont peut-être réfugiés dans leur foyer. Donc, encore un nouveau combat, tiens, que c'est surprenant. Bon, là, il y en a un peu moins de monde. Quoi. On va pas s'en plaindre. Oh, le petit sortiment, je vais me le faire. What? C'est moi où le centurion vient de disparaître dans le décor. Parce que je l'ai juste poussé, et puis bon, il a disparu. Tant pis pour lui. Par contre, j'espère que c'est pas un gros bug qui fait que je ne pourrai pas l'éliminer si ça me crée. De toute façon, on va vérifier ça tout de suite. Hein. Combo! Alors, les Romains volants, par contre, là-haut, ne sont pas affectés hein, par le Twister. Vous l'avez remarqué. Ah non, c'est bon, ça m'a. Ça, c'est pas apparemment gêné. Donc voilà, tout est trouvé. Donc là où il y a un bouclier bonus hein, qu'on va aller récupérer. Et évidemment on va se faire les Romains volants. Avec leur petit jetpack de merde. Voilà, donc la manivelle permet de faire descendre un point de vie. Qui nous permettra de continuer. Donc j'aimerais d'abord récupérer le bouclier, voilà. En évitant de tomber dans le vide. Bon par contre on va se les faire directement depuis le pont, parce que là, on va jamais y arriver sinon. Hop, toi tu meurs, oula, j'ai survécu à deux explosions. Ça veut dire que j'ai eu de la chance. Ah, là par contre j'ai fait le con, je suis tombé. C'est pas très grave. Un peu plus loin, nous avons une tortue romaine qui nous attend. Puis alors, en plus c'est une tortue complètement folle, donc si vous la prenez en pleine tronche, vous allez perdre énormément de vie. En parlant de vie, nous avons un bouclier qui nous attend. C'est bien. On profite que les lances ne soient pas au plus bas, on va dire, de la pyramide pour la détruire. Et là, nous allons devoir passer une série de 3 ascenseurs. D'ailleurs, la première, je pense que c'est la plus dure, parce que voilà, il y a les Romains tout simplement les plus forts, qui sont bien capables de vous faire tomber, hein, évidemment, dans le vide et ainsi vous crever. Je rêve ou j'en ai éliminé 2 en même temps, parce que j'en ai éliminé 1, et puis il y a eu 2 casques. Oh non, mais quel manque de lâche, ils attaquent même pas, des connards. Bon, vraiment, c'était facile. Et enfin la dernière, oh, le petit Romain il a eu aucune chance en face à Obélix. C'est bon. Bon par contre on peut être bien capable de tomber en ce temps, voilà. C'est fini. D'après ici nous avons encore des tortues romaines, que là on va devoir de toute façon éliminer parce que de toute façon là vous voyez le bloc de pierre là-bas quand on s'en approche, ben, elles sont bloquées. Enfin il est bloqué plutôt. Je croyais qu'il y avait un canon pour le détruire tout ça, mais finalement. Voilà, donc on va attendre que les lances disparaissent et on les détruit. Voilà, envolez-vous tous, Romains de merde. Donc on va également se servir de la torche qu'on a récupérée pour faire exploser les pierres à droite. Oui, donc il y a un marchand, mais bon, je vais pas perdre du temps avec ça, parce que de toute façon, il vend toujours les mêmes articles. Hein. Articles qui ne m'intéressent pas. Donc on va faire exploser tout ça.
Astérix se prend pour Sonic. Et on va déplacer le bloc de pierre, hein, d'ailleurs, longue distance à parcourir comme ça. Alors je sais pas combien de tonnes doit peser ce bloc, mais chapeau Astérix encore une fois de pouvoir le pousser sans trop de difficultés. Alors par contre, je sais pas comment il arrive à le pousser comme ça en tournant aussi bien dans une direction, parce que là c'est quand même assez surréaliste, hein. Avec la potion, j'aurais rien dit, mais bon. Voilà, donc ça nous permet de monter ici. Alors, ici, c'est pas indiqué, mais on peut monter sur cette sur ce toit. Et on peut récupérer le sixième laurier. Qui, lui, d'ailleurs, était plutôt bien caché, je trouve. Donc, on va monter de toit en toit. Pour arriver jusqu'en haut. Et on va continuer sur le chemin inondé. Et ça va enfin marquer la fin de cette étape. Et on peut dire qu'elle était longue, hein, contrairement aux trois dernières. Donc on va directement arriver... Ah non, c'est à gauche. On va directement arriver devant le druide. Ici, oh, des casques en or. C'est magnifique. Donc juste pour vous dire en avance, hein, la prochaine étape, on commencera par une phase de glissade qui sera la dernière du jeu. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, celle-ci. N'hésitez pas à la commenter, la liker et à la partager et également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis, on n'est plus très loin de la fin du jeu, c'est pour bientôt. Allez, ciao tout le monde et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.